Dès que l'on aborde la médecine traditionnelle, les Chinois pensent d'abord plantes médicinales. Et partout, on vous raconte la légende du serpent blanc et du champignon magique. L'histoire se situe à Hangzhou, dans cette ancienne capitale de la Chine, au bord du lac de l'Ouest, et plus précisément dans la pharmacie Wuxinyu. Un jeune homme nommé Soucian travaillait dans cette pharmacie. Un jour, il partit se promener dans la douceur du printemps pour admirer les fleurs en boutons et les eaux tranquilles du lac, quand vinrent à lui deux belles jeunes filles, Bai Niangzi et sa servante. L'histoire raconte que Bai Niangzi avait été un serpent blanc et sa servante un serpent vert. Elles avaient été transformées en très belles femmes. Le jeune homme les rencontra, croisa le regard de la jeune fille et ils tombèrent aussitôt amoureux l'un de l'autre. Ils se donnèrent rendez-vous au clair de lune pendant 6 mois chaque soir et ils se marièrent. Avec leurs économies, ils achetèrent leur propre boutique d'herboristerie. Mais un moine nommé Fae apprit ce mariage. Il connaissait le passé de la jeune fille et cela lui fut insupportable. Il l'enleva, la retransforma en serpent blanc et l'enferma dans la grande pagode au bord du lac. Le jeune homme tomba dans une grande tristesse. Mais un jour, il apprit l'existence d'une plante céleste, le champignon Lingzhi, sur la montagne Wuyi, dans le Fujian. Seul, ce champignon pouvait rendre à tout jamais forme humaine à sa femme. Il partit à sa recherche, supporta 1000 épreuves, rapporta le champignon à Hangzhou et retrouva ainsi sa belle épouse.这个是橘子，我是橘子没包皮的，是啊，没有那个保鲜的那个，是放药水了啊。我没放药水，都几年了。他现在去了广州3年了，是啊，嗯，好，嗯，上午上来，别忙着。没有，来月经的时候会不会肚子痛什么？那不会。 觉得很软这样子，是啊，嗯，看那边，你老公这个脉可以的，这脉象还不错，这边拉一点，心血比较少一点，吃饭还好的，<笑>就吃掉去它，太气了，他那个，嗯，他胃不好嘛，嗯，可以弄点那个，嗯，像。 本地人说的那个叫什么沙仁哈，可以弄的猪肚，有一种叫沙仁哈，什么沙仁？嗯，有一种中药的沙仁，买个猪肚，然后把那个沙仁放到那个猪肚里边去，然后把它缝起来，冻起来给它吃。中药那叫沙仁是药店包的，哎，药店里包的，嗯，然后和那个猪肚一起弄起来吃，嗯，那个也很不错的。 是那个木材森林，这个是，就是那个，嗯，嗯，嗯。
肚子痛效果不错，拉肚子好嘞。一般中暑了拉肚子了是吧，呕吐了都可以哈。是啊，我还有其他病人要看啊，先走走今年多大了？我1981年出生的。你把嘴唇给擦一下。哎，对，擦完了我看看，慢慢伸，往外伸，伸出来，地下低着头。哦，行。来，你把手放下。行，我跟你说说你那个情况好不好？好的。这按中医的看法，就看你的五脏六腑，知道吧？肝心脾肺肾，也整个状态，这东西用中医的办法给你查一遍，这叫五脏阴阳，叫五脏，中医叫五行，知道吧？首先一个你肝气不好，有肝气郁结。肝气郁结，肝气郁结，郁而不达，郁而不达的这个肝气的，它的有点聚而不走。你平时有胸闷的感觉？对对，尤其夏天。我跟你说，为啥会影响到心脏？所以这时候你不能自心脏做调肝经。谢谢。再见。好，再见。La médecine chinoise existe depuis 5000 ans. Avec ses 20 000 plantes médicinales, l'acupuncture, la tuina, le tai chi ou le qigong, elle est très liée au taoïsme. Elle n'est connue en Europe qu'en 1671 grâce au jésuite Arvieux qui publie à Grenoble le premier ouvrage sur les secrets de la médecine chinoise. En 1810, le médecin Louis Berlioz, père du musicien, publie quant à lui la première pratique de l'acupuncture française. L'acupuncture connaît son véritable essor dans les années 30, grâce à Georges Soulier de Moran. Mais son enseignement n'entre qu'en 1986 dans 6 universités françaises, dont celle de Lyon. Et il est encore facultatif. Et donc, on doit passer 5, 10, 15 minutes à fabriquer l'encre. J'ai rencontré donc des maîtres, notamment le docteur Auguste Nguyen, et qui m'a dit, mais la médecine chinoise, ça se dit chun tio, ça se dit chun tio. Et on voit qu'il y a donc une épée là, une espèce d'aiguille, mais là c'est le métal, donc une épée en métal, c'est l'aiguille d'acupuncture, même si elle est avec deux métaux. Et puis l'acupuncture, c'est pas tout ça, il y a aussi des moxas, et donc il faut savoir aussi utiliser l'armoise et faire des moxas. Et là on voit quelque chose qui veut dire lentement, quelque chose qui font, et un feu qui va lentement. Et chong, pour dire que ça vient du pays du centre, la Chine s'appelait Chonghua, l'empire fleuri du centre. Et Yao, les remèdes. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait une médecine un peu externe, avec des aiguilles et des moxas, et une médecine plutôt interne avec des remèdes. Donc nez bouché, allergie, eczéma à la paupière et au cou. D'autres problèmes de santé récents?
Ben là, ça allait pas bien, mais ça va un peu mieux, là, moralement. Ouais. Puis je suis toujours quand même fatiguée, mais ça va mieux quand même. Et les séances d'acupuncture, pour vous, c'est pas la première? Non, la première fois que j'étais venue, c'était... Vous savez, quand j'avais mes problèmes de hormonaux, j'étais malade là tous les mois. Ça fait longtemps. Je sais plus quand j'étais venue la première fois. C'est pour ça que j'étais venue. Ça fait au moins... peut-être 20 ans. Oui. 15-20 ans, je sais pas. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce genre de médecine à l'époque? Ben parce que rien n'y faisait, j'avais essayé un tas de... Je vais vous faire tirer votre langue à nouveau. En plus, elle n'est pas sèche. On a en fait 4 idéogrammes pour la mise en place du diagnostic. On dit Wang Wenwentie. Wang, c'est observer, donc pratiquement de manière photographiable, mais surtout observer la langue. Wen, ça veut dire interroger, et on a même un schéma qui s'appelle la chanson des 10 questions, qui regroupe un petit peu toute la pathologie en des questions simples, la sueur, la fatigue, le sommeil, les émonctoires, c'est-à-dire les urines, les selles. Et ensuite, on doit arriver sur un diagnostic qui s'appelle Pakang, les 8 règles. Mais pour bien intégrer ces 8 règles, il faut donc ajouter à Wang l'observation, Wen l'interrogatoire, Wen écouter et sentir, qui se prononce pareil mais s'écrit différemment, et Tie qui veut dire palper les pouls, mais aussi palper les zones douloureuses, palper là où les gens montrent qu'il y a quelque chose qui les gêne. Je palpe les pouls avec 3 hauteurs et puis 3 profondeurs, et je palpe en surface, médian et au contact de l'os. Et j'ai donc des perceptions différentes. Et quand on prend les pouls, cette partie-là, qui est juste là, correspond à tout le haut du corps. Celle-là, toute la partie moyenne du corps. Celle-là, tout le bas du corps. Et ça, c'est une reproduction donc, d'un livre. Ce livre est soi-disant le plus ancien de la médecine chinoise, avec une lecture de droite à gauche, de haut en bas, dans ce sens-là. Xylographié, c'était sur du bois, et on gravait à l'envers, bien sûr, comme les sceaux, les idéogrammes. Les livres médicaux vont présenter à la fois des doctrines générales de présentation de la pathologie, de la physiopathologie, du mécanisme. Ils disent pinchi, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie. Ils disent pinyin, aussi l'origine de la maladie. Et l'origine de la maladie, ça peut être dans ce qu'ils appellent les waikans, c'est-à-dire les sensations qui nous viennent de l'extérieur, comme quand on prend froid, par exemple, ou quand on a été trop dans l'humidité. Et puis les neishang. Neishang, ça veut dire les blessures à l'interne. Et qu'est-ce qui peut nous blesser à l'interne si ce n'est l'alimentation déréglée ou les sentiments déréglés ou une activité physique, et ils vont dire jusqu'à sexuelle, déréglée. La pensée chinoise ramène souvent à une dialectique qu'on dit yin-yang mais qui est plus perceptible derrière les dynamiques de l'eau et du feu. Donc l'eau qui rafraîchit et qui imbibe et le feu qui réchauffe et qui dessèche. Ce point s'appelle Tianting. Tian, ça veut dire le ciel. Ting, ça veut dire un puits, mais un puits creusé par les hommes. Donc il y a eu un effort de creusement. Tian, en médecine, ça sera notre tête, du côté du ciel. Ting, le puits, ça sera notre bassin qui contient de l'eau. Et donc, il y a de l'eau dans le puits. Il faut aller puiser dans ce puits et monter l'eau. Et donc, la possibilité d'aller chercher l'eau du bassin et de la remonter, c'est l'énergie du rein. Donc il faut que j'arrive à tamponner le feu du cœur pour éviter que le feu se dégage trop en haut. Et il faut que le feu redescende en bas, comme on fait la cuisine, où on met le feu sous la casserole et non pas au-dessus, parce que ça grille. Donc quand on met le feu en dessous, avec un bon régime du feu, quand on met de l'eau, avec une quantité d'eau correcte, dans les légumes ou dans le riz, eh bien on va avoir une cuisson assez lente. Ce point aurait la prétention d'aller chercher l'eau des reins pour tamponner le feu du cœur, pour éviter l'irradiation du feu en haut. Et équilibrer l'eau et le feu. C'est pour la santé, c'est pour la santé.
里面啊是一个餐点。 这是灵芝，这灵芝是最好的高等品。这个是蒲公英，来的是安徽梁墩，这是来梁墩。这是不是好？看，好，你底下，好，明白了，放在这里。 叫什么名字啊？陈类对吧？这里面有两个是一个后下的，一个是包件的啊。这里面这小纸包，包件的就放在这个沙袋里面一起烧，后下的就是要好的以后再放下去。我自己放在包里面。哎，因为这里面有小纸包包好的。 六点几年起啊，实施好了，来几天？实施到六到七天好像，就是干净到七天，那怎么等？这里有钱也一样的。现在这问题，一方面解决你这个，另外一方面体质比较弱，体质弱是吧？一方面不放心。三月十四号，现在我体质特别不好，是不是？ 所以说我就是脑子里不走，是不是？是米呀，要看看中医了。所以，要解决问题。那您看我就这，或者说你可不可以另外给我开什么的？我也不懂啊，就是改善睡眠。要一下就完全不可能，一个一个来，把主要的问题解决一下，然后再把身体养好，好吧？好。那我什么时候再来看您的复诊呢？各多长时间？ 这个用的是吃一个星期，一天一副，一天一副。哦，看我的名字写一下。我今年几岁？54。54岁。54岁，哎，你这个年龄应该是月经要没有了。嗯。你还有吗？没有了。没有了，没有了几年了。
三年多了。那医生是跟我讲，伊讲侬现在看来，伊讲最多活一年，最多是一年。但是这么说了以后呢，我想在这一年里面，我要拼搏拼搏，可能我创造奇迹。对。没想到我现在这个奇迹呢，在我身上发生了。我当时呢，因为当时还不知道有少林骨传，等我开完刀两个月以后呢，我又再转移了，转移到这个素国。素国啊。卵巢。在这种情况下呢，我才知道，因为一个病人给我介绍，他说：“哎，你吃吃看这个药，吃吃看。”我说这个药有这么好吗？他说你试试看。所以我把家里的所有的积蓄全部拿出来，我就买了这个药。买了这个药以后呢，没想到当时吃了将近半年，哎呀，半年以后啊，我这个化疗放疗全部能做完，而且没有什么很大的反应。半年以后呢，哎，我就一看，哎，我比以前更好了，身体这么比以前更强壮了。后来我看看，我又去这个做了一次，这个做了一期检查嘛，就是因为骨扫描检查嘛。一检查，哎呀，我的骨转移也没有了，哎，别的淋巴转移没有，卵巢里四个这个像鸭大的这个囊肿也消失了。哎呀，我兴奋得不得了。当时哦，我们家我就办了要将近十几桌的酒席。庆祝我的这个，哎呀，这个又恢复了这个新生了，我又有的生命了。我今年是54岁生日，过几天我又就要生日了。生日我老公呢又要给我办酒席，他说我等于战胜疾病已经7年了，做7岁的生日，所以我现在人家做寿呢都是按照你的岁数做的。我的做寿呢是按照这个这个什么战胜肿瘤，等于从死亡线上走过来以后呢，这种第二次生命我做的这样生日，所以我现在的生活呢还是很充实的。好多东西啊，你要哭了吗？那老婆吃药了。哎呀，吃药了！哎，这个不要弄了，不要弄了，不要弄了，先吃药，先吃药。不想吃。不吃药嘛，你不怎么想？你病反正也好的，是吧？苦也要吃的。吃药，我给你要削个苹果，你边吃药，慢慢喝啊，等你烫啊。帮削个苹果。反正病还是要看的啊，坚持一下。坚持到底就是胜利，是吧？其实得病的时候，对我的生活带来很大的问题，比如说他一些简单的家务事都不可以做了，是吧？什么事，比如说接小孩啦，小孩的辅导方面啦，影响了很大。还有在工作方面，他老是肚子痛嘛，是吧？老是肚子痛什么的。那再吃一块吧，再吃一个苹果。我联系了一家中医的门诊，等一下我们过去看一下，啊。哎呦，时间差不多了。当时我更年期发的时候呢，很厉害，有时候影响工作，有的时候呢，在工作到一半的时候呢，哎呀，我就觉得自己心慌、头晕，浑身出汗，有人有的时候就是好像感觉到要昏迷过去。有的时候呢，就到医院挂急诊去，后来呢，经过一年多的就诊以后呢，我现在的这些病症呢，都有了明显的好转，精神呢状态也很好，还有呢，也能够生活能够自理，工作也能够正常进行。大家都说我，哎呦，你现在说起来好像换了一个人似的。家里呢也觉得，哎呦，你现在确实比以前好多了嘛。那时候家里闹得也是很不好，不可开交的。一会儿去吊针，一会儿去吊针，现在呢，你看，家里都太平了，也这个又有了以前的温馨，对吧？温馨，我觉得这个，我觉得中医确实不错的，所以从我自己的亲身经历来说吧，我觉得我很信任中医，我觉得中医呢，确实对我每个有病的人来说，应该是它是能够治好的。它比西医虽然快，但是它这治不了了，不治本。
检查出来以后拘留的，你叫我开刀，我不甘心，因为我还年轻嘛。这个开刀的话，就说你把全部子宫要拿掉，卵巢要拿掉，拿掉以后，整个的这个激素水平啊都要受到影响的啊。所以当时我们后来也就想，还是用那个我们中医的这个整体的来治疗，用中医的活血化瘀啊、软坚散结啊，调整整个机体的功能，从这个着手呢开始进行一些治疗的。那么治疗以后呢，很快啊，就好像一两个月了，一个多月吧，当时来的时候啊，以后呢就发现呢，就是说子宫呢就明显的有这个缩小了。缩小，而且症状呢也就有所好转了啊。当时还不大愿意吃呢，是吧？后来我们做了一些工作以后，那么现在吃下来以后呢，效果还是很好的啊。这样。阿年，怎么样？做的挺好的。没有的。嗯。啊？真的？真的。真的没有的。那就是搿只药，或者三零五根三搿只药，对伐？伊呢，实际上只有是哪能样子呢？伊只要是一个成分啦，就是灵芝孢子，而且灵芝全草。哎，对。那么它主要是那个浓缩了100倍的浓度，以现在就有个雨量指数，就是个三甜类，多糖多肽。我每天现在吧，现在是这个以前呢是一天要服用6包，刚病重的时候。现在呢，我现在是维持量的，一天服用2包，早上1包，晚上1包。反正现在，接受治疗以后呢，我现在的生活一点没改变，还是像以前。现在我身体好了，还是像以前一样的，什么事情都做，家务事啊，什么事情都做，就像正常人一样。Nous, on s'est débrouillé avec les 365 points dont on dispose, hein, et les 12 méridiens pour essayer.De faire avec nos patients à nous, qui, occidentaux, qui malheureusement pensent à l'acupuncture un peu tardivement, quoi. Quand ils ont mangé beaucoup de médicaments, sans résultat patent, quand ils ont fait différentes expériences qui n'étaient pas concluantes. Voilà. Et en essayant de pas trop multiplier les séances, donc en essayant d'être vraiment performant le plus rapidement possible.Tout de suite, quoi, et avoir des points suffisamment qui agissent suffisamment en profondeur pour faire tenir l'effet des séances sur plusieurs semaines. Le diagnostic en médecine chinoise, c'est un vide de la partie yin de votre énergie, tant au niveau rein que cœur, hein, ce qui est signé par les palpitations cardiaques, ces vertiges, ces céphalées sourdes, ces sueurs nocturnes.Vous avez des fois les paumes des mains chaudes? Ah oui, plus que d'habitude en ce moment. Mm-hmm. Moite. Cette soif, tout ça dépend de cette énergie yin. Donc on a des points en acupuncture qui stimulent plus particulièrement la partie yin, la partie réserve de l'énergie. Hein? D'accord. Si vous voulez vous déshabiller. Donc là, on a des poux sur votre poignet gauche.Qui sont moins forts qu'au poignet droit, qui sont un petit peu en vide. Mmh. Et à ce poignet gauche, notamment, se trouvent les poux, cœur et rein. Tirez la langue. Alors, je m'attends à voir une langue avec une pointe effectivement un peu rouge, ce qui est le cas, un peu fine, ce qui va bien aussi avec le vide de yin. Elle n'est pas très sèche compte tenu de la soif que vous avez, faites voir. Elle n'est pas très sèche.Donc, vous allez bien rester assise, vous reculez un petit peu vers moi. Vous inspirez, bloquez la respiration, voilà. Comment ça va? Ça va, j'ai rien senti. Vous inspirez bien, soufflez bien. Vous inspirez...Bloqué, soufflé. Voilà. Vous pouvez vous allonger sur vos aiguilles. Sur mes aiguilles? Oui.
L'appartement est bien insonorisé. Les voisins ont l'habitude. Non, mais je peux pas. Allez-y. Comme ça. Ouais. Ça va? Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est normal. Allez, allongez bien. Très bien. Soufflez bien. Là, je vais relever un petit peu ce yin général par ce point. On stimule ce numéro 6 du méridien cœur pour essayer de calmer ses palpitations cardiaques. D'accord. En médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle l'axe Shaolin, c'est-à-dire un axe cœur-rein, le cœur représentant le feu, le rein représentant l'eau. Donc il faut que les deux soient en harmonie, qu'il y ait toujours un langage qui se fasse bien entre les deux, pour que l'organisme soit en paix, quoi. Tous les bons acupuncteurs, même s'ils ne pratiquent pas le Tai Chi Chuan, qui, comme vous savez, est d'inspiration taoïste, ou le Qigong, même s'ils ne font pas forcément toujours des méditations taoïstes, ont une pensée qui est celle du taoïsme. C'est-à-dire, l'homme est toujours un élément parmi les 10 000 êtres, et l'homme est un élément dans l'univers qui interagit sans arrêt avec cet univers. De l'armoise, c'est ça? Ouais. Et là, on va chauffer l'aiguille. Un petit peu à distance, vous allez sentir la chaleur. Il faut toujours que ça soit... On sent que la chaleur sans que ça brûle. Ouais. Bon, donc là, j'ai piqué le point, ce point de Chongquan, et je chauffe l'aiguille, mais je pourrais tout aussi bien, ce qui est plus important là-dedans, c'est cette action pour chauffer ce point. Donc je pourrais très bien, lors d'une autre séance, ne pas piquer le point et chauffer simplement. Je crois savoir que l'idéogramme acupuncture, ce qu'on a, veut dire exactement aiguille et moxa. C'est-à-dire pour la médecine chinoise, il est obligatoire de faire des moxas. Hein. Alors les aiguilles sont pour le manche en cuivre et pour la tige en acier inoxydable. Quand j'ai commencé à exercer l'acupuncture, vous me dites bien, ça va, quand je le soulève un peu, ça va. On utilisait des aiguilles d'acier, mais on utilisait des aiguilles d'or, qui avait la réputation traditionnellement de tonifier l'énergie, et des aiguilles d'argent qui avaient la réputation de disperser l'énergie au point qu'on choisissait. Hein. Et puis avec l'avènement des aiguilles à usage unique ou à usage personnel, de ce genre d'aiguilles, donc, on n'utilise plus les aiguilles que l'on stérilisait, une à deux fois par jour, donc des aiguilles d'or et d'argent. Mais maintenant, on a rangé dans nos placards les stérilisateurs.
Il existe en Chine des universités consacrées exclusivement à la médecine traditionnelle. Des étudiants du monde entier viennent s'y former. En même temps, les laboratoires se développent pour mieux définir les aspects scientifiques de cette longue tradition et la perpétuer. En premier, on doit apprendre le chinois. Alors, à peu près, ça prend 1 à 2 ans. Là, on choisit des points d'acupuncture, puis on peut étudier le point exact sur le corps, où est-ce qu'il se trouve. Il y a différents programmes. Mon programme, c'est 5 ans. Il y a des programmes pour les gens qui ont déjà un certificat de médecin. Je crois vraiment que la médecine chinoise peut aider les gens dans tout aspect. C'est un traitement complet, holistique. En este momento estoy practicando los movimientos básicos del masaje chino, que son, aunque parecen muy básicos, muy sencillos, pero bastante difíciles de conseguir. Tiene que conseguirse que sea suave, homogéneo y constante. Y entonces necesita cada día mucha práctica. Y antes he estudiado 1 año de chino, o sea que 3 años. Después, en principio, se supone que acabando la carrera, el título que conseguimos, en principio, se puede ejercer la medicina china en Europa. Entonces mi intención es regresar a Europa, a España concretamente, y abrir una consulta de medicina china.
住几天了？现在住了能有十天了。上周一进来。初学进。现在呢，就是对我们整个推拿科来说呢，现在我们有些就是要讲究一个调整的东西，就以前推拿要求复位什么，现在讲究一个调整啊，对于慢性期病人呢，我们可以采用一些就是调理的东西，但是对急性期我们还是一个就止痛为主，就包括那打针之类的，活血化瘀啊，止痛啊，那么。有时候我们外用呢，也可以用一些这个像热敷啊这个药，或者用外用的擦剂。那目前我们这个整个的中医治疗来说，医院里面常规的是用中药啊、针灸啊、推拿啊，民间还有很多一些方法，民间也有方法。像这个推拿的话，也有很多流派，我们比方说，我们上海有三大流派，一指禅推拿、滚法推拿，还有那个内功推拿流派。那么滚法流派是用的比较多的一个，主要是帮侬疏通这经络，因为侬现在呢，从中医理论来讲呢，侬搿个经络呢，侪勿是老通。咁么呢？那中医呢、西医呢，就综合治疗一下，主要是中医为主，屈原呢，主要是以阳明经、少阳经为主。咁么有种穴位打好之后呢，有交关病人呢，有眼酸。交关病人呢，打好之后呢，肢体呢有所改善，另外呢，尽量可以放松点。好吧，侬假如觉得不适应，侬跟我讲啊。酸，有点酸啊。可以啊。好，面孔上再帮我打两次啊。侬面孔摆正，On a été formé pendant 7 ans en médecine, la médecine orthodoxe quoi, de chez nous, et on garde ça. On prend l'acupuncture comme quelque chose qui vous ouvre l'esprit, qui vous montre la personne dans son ensemble, avec le haut et le bas, l'avant, l'arrière, l'interne et l'externe, tout ça relié. Par le système des méridiens, par le système de l'énergie. Bon, relier, tout ça, c'est une médecine qui fait des liens sans arrêt. Moi, dans le travail de la société, dans tout notre produit, nous avons des services de santé.那么来讲，就是他完全是按照中医本身的这样一个，就是说这个思维方式，然后来讲就是说这个什么呢？去做我们的创新，做我们的产品研发，做我们的生产，以及做我们的整个来讲就是说治疗。那么在做的过程中间呢，我们也碰到很多的一些阻力。这个阻力是一些什么阻力呢？就是说这个什么呢？那么做中医药的这样一个企业，它跟一般的做这个什么呢？企业是完全不一样的。比方说我如果卖电脑，那么来讲就是说它的技术标准全世界都是通用的，但是中医药本身的话呢，由于来讲就是说什么呢，
它只在中国是这么一个很好的土壤。实际上来讲，就是说虽然说我们做的是产品，做的是市场，我们本质上是在做一个文化本身的一个传播，并不是在技术层面上，我们整个来讲就是说来谈我们的产品，谈我们的这个就是治疗，而是在这个文化层面上整个来讲什么呢，来开拓我们的市场。说来讲什么呢，就是说中药这个产业是一个极其独特的这么一个产业。所以说与其说我们公司是一个制药公司，不如说我们公司是一个文化公司。那么作为我一个肿瘤临床医生来说，我特别感兴趣的是灵芝在肿瘤治疗当中的作用。我想灵芝这个药已经是我们老祖宗1700多年之前就开始认识到灵芝，那但是呢在过去的研究当中，灵芝只要含有一种神秘的色彩，那好比说我们白蛇传里面看到那个白娘子去盗仙草的这个灵芝，实际上我们现在提出了一个重要概念，就是要用现代来研究灵芝到底有什么功效啊！因为我们老祖宗观察了那么多病人，他们看到了这么一些临床现象，可是这灵芝到底为什么会起这个作用呢，还要等我们现代人去进一步的研究看。基于我们中医的基本理论，又吸收了西医治疾的是西医的这些好的东西。那么我们实验室里面做出来大概15个微克就可以对肿瘤细胞有一大作用，那么这个几乎是跟一个非常大家熟悉的化疗药 DDP 啊这个效果差不多啊，所以我们觉得这个研究还是一个很有前途的工作。嗯，起来起来。可以，你告诉他们，我等你们安静下来。我等你们安静下来了再说。好，说吧。这个灵芝呢，它传，因为由于呢它很好的吃了，所以呢它传说呢它可以起死回生。什么叫起死回生呢？就是人死了可以吃了它就可以又活了。哇。On a l'impression chez nous, en Occident, il y a toujours une fuite en avant, quoi. Et puis, il y a toujours ce besoin d'oublier, de faire du nouveau, du neuf. La connaissance en Orient progresse toujours avec cette homéostasie de se dire, bon, qu'est-ce qui était bon et qu'on garde là ? Comment on peut intégrer le nouveau dans ce qui existait déjà ?